C'est l'un des moments les plus attendus de l'année pour le monde du cinéma. La 94e cérémonie des Oscars se déroulera au Théâtre Dolby à Hollywood, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars prochain. Michelle LaRocque s'est rendue à ce rendez-vous à plusieurs reprises dans sa carrière. La comédienne, qui était l'invitée de l'émission 50 Inside, ce samedi 12 mars, est revenue sur ses expériences face à Nikos Aliagas. C'est formidable, parce qu'il y a beaucoup de talents réunis, s'est rappelée celle qui n'a pas participé aux Enfoirés cette année. Puis elle a raconté une anecdote assez insolite, j'ai une image qui m'avait beaucoup amusée. Il y avait eu une pause, j'étais allée aux toilettes et là, il y avait une file d'attente de stars, mais surtout de robes extraordinaires. C'était magnifique, un moment que la compagne de François Baroin avait tenu à immortaliser, j'avais même fait une photo parce que c'était une photo dingue de file d'attente devant les toilettes avec des robes magnifiques. Celle qui a été contrainte de faire du télétravail après avoir contracté le Covid-19 en janvier dernier a également expliqué qu'elle avait un regret, le seul truc qui me manquait, parce que j'étais avec des Américains, c'est de ne pas avoir eu un copain français ou une copine française pour partager.